vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. S'il vous arrive de compter sur le voleur de votre objet perdu pour le retrouver, alors vous pouvez être sûr d'avance que cet objet ne sera plus jamais retrouvé. Mesdames et messieurs, chers internautes de Kabbalah TV, bonjour et bienvenue dans cette chronique essentiellement consacrée au discours patriotique et très historique du président de la transition burkinabé, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Discours tenu ce 17 février 2024. C'était à l'occasion de sa rencontre avec les comités de veille citoyenne. Dans une grande salle, pleine de filles et de fils dignes du Burkina Faso, l'occasion était toute propice pour les teneurs du flambeau de la renaissance de la révolution burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour afficher toute sa reconnaissance au comité de veille citoyenne et d'aborder les sujets brûlants du moment. Tout d'abord, à l'entame, pour le capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas céder le terrain de la communication aux manipulateurs et aux désinformateurs en refusant de communiquer au peuple. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. En teneur infatigable et très serré de la bougie allumée du flamme de la révolution de 1983 à 1987, le chef d'État burkinabé, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, va illustrer ses premiers mots par les mots du père de cette révolution burkinabé. Je vais nommer ici le capitaine Thomas Sankara. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés, un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Et de dénoncer le programme d'ajustement structurel imposé à son pays dès l'assassinat de ce dernier. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État burkinabé, cette déstabilisation que connaissent aujourd'hui les Burkina Faso, les Mali et le Niger n'est que l'exécution d'un plan intelligemment orchestré par l'impérialisme, en s'appuyant sur ses valets locaux et ses esclaves de salon. D'aucuns ignorent peut-être que dans le cadre de la lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme au Mali, le chef d'État burkinabé, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a séjourné et a servi dans la région de Tombouctou, plus précisément à Ber. C'est de là-bas où lui et ses frères d'armes apercevaient l'armée de l'impérialiste venue au nom d'un semblant de maintien de paix, mais transformée en une équipe de géologues et allant jusqu'à priver le Mali
de l'autonomie de son espace aérien. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Beir, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Beir, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Les néologistes ont certes inventé le mot putschiste et l'impérialiste l'a repris pour en faire d'une arme de sabotage et de désinformation. Mais l'emblématique capitaine chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dira tout simplement que nous nous l'approprions en guise d'ironie à l'impérialiste et à ses valets locaux. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Le 30 septembre 2022, avec la prise de conscience des Burkinabés et l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, afin de parvenir à sécuriser le Burkina Faso et de circonscrire le plan machiaval de l'impérialiste, il a fallu faire quitter les espions de l'impérialiste. Des espions autrefois appelés autrement des conseillers militaires. Mais attention, cela a coûté et les pays des hommes intègres sont sortis victorieux après avoir fait face au coup de l'impérialiste, des manipulations, des soutiens aux terroristes et autres. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Et pour parvenir à faire face aux coûts financiers sans se faire de mandia, comme on avait fait habituer nos États à chaque fois qu'il y avait des difficultés dans nos pays, de gros efforts ont été consentis par les Burkinabés. Tout d'abord, le gouvernement, les suppléants de députés de l'Assemblée nationale, qui sont les membres du CNT, et jusqu'au peuple lambda burkinabé. Chaque Burkinabé a contribué d'une manière ou l'autre pour que le Burkina Faso ne soit pas à la merci de l'impérialiste afin de supporter les coûts financiers de sa révolution, dira le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquences.
Parce que lorsque nous avons déjà demandé au conseiller de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Nous savons tous que l'ennemi de l'extérieur ne parvient jamais à marquer une quelconque victoire dans la maison sans qu'il ne soit appuyé par un ennemi endogène, c'est-à-dire des ennemis de l'intérieur. Et le président burkinabé, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, dira qu'aucun cadeau ne sera fait non seulement à l'impérialiste, mais aussi et surtout à ses valets locaux et à ses esclaves de salon. Pour dire qu'aucune récupération politique, économique ne sera possible et ne sera désormais tolérée au Burkina Faso. Les traîtres seront traités comme tels, dira le président Traoré. Je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. En abordant le sujet du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, le capitaine, le président Ibrahim Traoré, affirme que tout est mis en œuvre pour induire les 3 peuples dans la manipulation et dans l'incompréhension de la situation. Et cela a lieu et place du mea culpa que l'organisation sous-régionale aurait dû faire devant le peuple de l'Afrique de l'Ouest et devant le monde entier, après des multiples violations de ses propres textes et lois, en guise de satisfaire l'impérialiste assis dans son salon. Le président Traoré dira dans son intervention que cette sortie de la CEDEAO a ses raisons et que des perspectives sont aussi lancées par les 3 pays membres de l'AIS. Concernant la décision de certains pays, frères et amis et proches du Burkina Faso, d'interdire l'exportation vers le Burkina Faso, certains produits, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas parti avec le dos de la cuillère. Il a été précis et sans équivoque. Il a tenu à rassurer son peuple de ne pas se laisser paniquer. Et il a affirmé que de par les efforts consentis par les autorités burkinabées et le peuple burkinabé, et surtout par les agriculteurs burkinabés, l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso est garantie. Et tout est assuré pour que le Burkina Faso puisse tenir le coup. Aux prétendus analystes prétendant le chaos économique au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré dit tout simplement le contraire et dément catégoriquement. En effet, le malhonnête intellectuel et les esclaves des salons doivent impérativement et par nécessité prêter l'oreille à ce que va dire le président Traoré concernant la situation économique de son pays. Retenez que il n'y a pas de peur parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire,
le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Pour terminer, comme tout révolutionnaire sincère et dévoué pour sa cause, pour ses causes, le président burkinabé, son Excellence, le capitaine emblématique Ibrahim Traoré, va interpeller les citoyens de l'Afrique, pas de l'Afrique de l'Ouest seulement, mais de toute l'Afrique, à arrêter de s'apitoyer sur leur sort et avoir confiance en eux, comme l'a toujours dit le père de la révolution burkinabé, le feu capitaine Thomas Sankara. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette chronique consacrée sur le discours historique et patriotique tenu par le président de la transition burkinabé, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 17 février 2024. C'était à l'occasion d'un échange avec les comités de veille citoyenne du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Niger et toute l'Afrique. Et à bas l'impérialisme, à bas l'impérialiste, à bas les esclaves des salons, à bas les valets locaux.